Salut à tous, c'est Nisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser iEmpty, un site qui va vous permettre, en créant des icônes transparentes, de mettre vos icônes où vous le voulez. Par exemple, je pourrais mettre mon icône Cydia ici, en laissant un vide là où il y a l'icône de mon application. Donc du coup, vous pouvez faire une organisation d'icônes vraiment comme vous le souhaitez. Donc pour cela, vous allez devoir rester appuyé sur vos icônes pour prendre une capture d'écran d'une page qui est vide. Donc voilà, tac, je prends ma capture d'écran. Ensuite, je vais me rendre sur le site qui sera dans la description de la vidéo, iSkin. Je vais cliquer sur choisir le fichier dans la photothèque. Et là, je vais pouvoir choisir mon fond d'écran qui a été pris en photo. Ensuite, je vais appuyer sur upload photo. Et là, on va pouvoir choisir ce que l'on veut faire. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai le numéro de case de chacune de mes applications. Donc, 1x1, ça correspond au premier emplacement en haut à gauche. Et donc, par exemple, si je veux créer un espace vide là où il y a marqué 2x2, je vais cliquer dessus. Et là, on voit un petit morceau de mon fond d'écran qui a été découpé. C'est ça qui va permettre de donner l'illusion que l'icône est transparente. Ensuite, en bas de votre écran, vous allez cliquer sur le petit carré avec la flèche et vous allez cliquer sur « Ajouter sur l'écran d'accueil ». Vous faites « Ajouter », il n'y a pas besoin de donner de nom. Comme ça, ça ne se voit pas. Donc, vous pouvez voir que c'est un petit morceau de mon fond d'écran. Et si je le place à l'emplacement que j'avais défini, donc 2x2, juste ici, ça ne se voit pas puisque c'est exactement le fond d'écran. Donc, par contre, si je le déplace, ça se voit un petit peu. Mais si je le laisse à sa place, ça ne se voit pas. Et donc, du coup, je peux répéter l'opération pour différents emplacements. Par exemple, je vais faire la case 1x1, je vais l'ajouter sur l'écran d'accueil et vous allez voir ainsi de suite qu'on va pouvoir donner la forme qu'on veut à nos icônes. On pourrait faire par exemple que tout le contour soit transparent. Et donc, bien évidemment, la case 1x1, elle ne marche pas que sur cette page-là. Je peux la mettre aussi ici. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir ordonner vos icônes comme vous le voulez et donner un petit effet sympa. Et tout ça sans jailbreak. Donc, je vais ajouter une petite dernière. Voilà, ajouter. Et on va voir, je vais la mettre en haut à droite. Donc on peut vraiment faire des trucs stylés grâce à ça. On peut mettre des emplacements, on peut faire des figures, etc. Et tout ça sans jailbreak. C'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.